Bon, il n'y a rien. Est-ce que je peux passer là, non? Ah, ça mort. Tu peux ouvrir la porte, s'il te plaît, colonel? Non. Ah. Ah, mais il est là. C'est peur, hein. Identification. C'est normal, hein. Soldat Kirill Klebnikov, OSCOM, unité de riposte rapide. Et c'est tout ce que vous obtiendrez de moi, alors autant me tuer tout de suite. Klebnikov, très bien, soldat. On veut faire de mal à personne. Emmène-nous voir ton officier supérieur. Comment ça, vous voulez faire de mal à personne? Je suis de l'OSCOM, vous êtes pas avec eux? Non. Je sais pas de qui tu parles. Mais si tu des enfants, on est sûrement pas de leur côté. Conduis-nous à ton commandant. Pourquoi vous voulez le voir? On a une mission de première importance. Les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne, seulement à de hauts gradés. Tu n'as qu'à nous conduire à eux. De toute façon, t'as pas vraiment le choix. D'accord. Aucune entourloupe. C'est promis. Venez, la station est tout près. Et c'est quelle station? Laquelle? C'est Prospect, bien sûr. Plus qu'une station avant l'institut. On approche, Artyom. Attendez. La voie est libre. Allez. Attendez, vous approchez. Mais pourquoi vous avez besoin de l'Institut? Tu lâches rien. On est en mission. Mais c'est tout ce que je peux dire. En mission à l'Institut? Mais il reste plus de trucs verts là-bas. Trucs verts? C'est quoi ça? Vous savez pas? Attendez. Mais de quelle station vous venez? On vient de loin, tu et de VDN Cash, et moi de police. Hein? C'est où? C'est à Moscou, soldat. Attendez. What? Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît! Allez! Merde, j'ai raté. M'abandonnez pas, colonel. Oh, oh, oh. Colonel. Merci, colonel. Ça va, ça va. Regardez-les tirer, comme au bon vieux temps. C'est bon, c'est fini. Soldat Klebnikov, tu peux sortir. Il est où? Il est là-dedans. Hey,
Où t'es passé? Il a filé. Comment on va bien pouvoir le retrouver? Oh, on n'aurait jamais dû le quitter les yeux. Ah, il est vivant. Bah, c'était que quelques mutants. Vous venez vraiment de Moscou? Oui, je suis le colonel Melnik. Je dirige un détachement spécial. Artyom en fait partie. On est venu de Moscou en train. Wow, c'est génial. Attends une seconde, je vais ouvrir la porte. Putain, mais avance, Pépé, là. J'espère qu'il y a une établie là. Yes. Ils sont où tous les autres? Je peux pas encore l'utiliser, mais. C'est quoi ça? Depuis la guerre, en tout cas. Ah merde. Ça, je croyais qu'on pouvait utiliser ça. Mais. Oh. Alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire, mais pas à la guerre civile. C'est quoi ça? Ça fait combien de temps que vous êtes seul à ce niveau? Presque un an. On a eu de la chance. On avait toute une boîte de trucs verts, comme les riches. Une seconde, Artyom, une carte satellite. C'est la vallée où tu t'es perdu avec Alyosha. Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat? Les stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite, qui est loin. Autant. Alors ton père est en mission. Quand est-ce qu'il revient? Je sais pas. Depuis combien de temps il est parti? Un mois. Et ça fait 3 semaines qu'il est injoignable. Je vois. Tu sais où il est parti? C'était quoi sa mission? Il est allé au centre de communication. On devait quitter la ville au printemps. Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain. Compris. Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio. En contact l'Aurora, Artyom. Je vais récupérer cette carte. Il faut les prévenir. Aurora, vous me recevez? Ici Melnik. Code Bell, vous reçoit 5 sur 5. Comment vous avez pu émettre? Changement de programme. On a trouvé les survivants. Ils disent que le centre de communication satellite existe encore. Je vais là-bas chercher la carte. Artyom s'occupe de l'Institut. Répondez Aurora, terminé. Vous me recevez Aurora, terminé. Merde, j'ai encore des parasites. Artyom, si son père a vraiment trouvé un endroit sain, ce serait une chance pour Anna, pour les gars, pour nous tous. Une chance de vivre notre vie. Je vais chercher cette carte. Retrouve-moi ici quand tu auras le remède. On rejoindra la voiture. Vous pouvez pas sortir sans antirade. Il nous en reste 3. Va pas les garder pour quand on quittera la ville. Parfait. Merci. Artyom, équipe-toi en attendant. Oh, il y a même un établi ici. Au fait, tu peux prendre mon railgun si tu veux. Il te sera peut-être utile là où tu vas. Ah bon? Oublie pas les munitions. Préviens-moi quand tu seras prêt. Bon bah c'est vrai. J'ai rien. T'es prêt? Bah je pense. J'espère. Bonne chance. Oublie pas ce qu'on fait là. La vie de ma fille, de ta femme, est entre tes mains désormais.
Maintenant, vas-y. Ok, pas. Pas mal. Ah. Il y a encore un par là parce que ça faisait bip bip. Il est où ? Là-bas. Ouh ben là. Non, non, non. Ah merde. Apparemment c'est bon. Ils sont tous morts. Oh punaise. C'est quoi ces merdes ?
sans plus cracheuse. Waouh. Oh, mais ça fait mal, hein. Apparemment, c'est ce machin-là. Vilaine bête, elle est ouf. Ah, et puis on peut récupérer des trucs dessus, c'est cool ça. Je peux pas rentrer là-dedans. Ah si. Je peux aller plus loin par contre. Il y en a encore une. Hein. Oh punaise, alors là, c'est le... La sangsue géante. Hein. Je suis revenu ici. Ah, une note. Toujours mieux avec un peu de lumière. Je vais faire une petite piqûre. Hop. J'ai l'impression de pas être bien. Ces machins-là n'aiment pas la lumière. Oh là là, il aurait peut-être fallu tirer, non? Ça va, ça passe. Pas qu'une. Oh là là. Ça... J'ai peur. Reprendre la barque, avancer. Oh merde.
Ça y est, mort celui-là. Ça va, apparemment ça meurt assez. Oh punaise! Ça meurt assez bien. J'allais dire. Ah merde, il a cassé mon masque. Non, je veux pas l'enlever, je veux. Le réparer. Voilà. Avec un petit bout de scotch. Petit bout de collant. Là, j'ai plus de munitions pour ce truc-là. Ça y est, celui-là il est mort. Déjà ça. Il y en a encore un là-bas. Il résiste à une balle ce truc, c'est fou. Avec une bille il meurt et avec une balle il meurt pas. Je m'arrête pas du coup. Ah, si on vise, il meurt. D'accord. Mort. Ah, voilà. Une poignée, j'ai toujours. Ah, voilà. La torche, elle s'éteint là. J'ai récupéré des munitions pour ça. Ah non, même pas. J'avais cru. Les munitions diminuent, hein. Je vais mettre dans la merde.
Ah, ça c'est bien. Une établie. Fallait les tuer avant, non? Avant de monter dans la barque. Il y a beaucoup, hein, putain. Ah. Mon masque tout neuf, quoi. Putain, tout juste réparé. Chier. D'halluciner là. Heureusement, il y a le scotch, c'est clair, punaise. Injecter le bazar là. Ça y est.
hallucinations. Hein. On va pas rester là trop longtemps. On va avancer. On va l'Empire. Je pense pas qu'il y ait trop de trucs à explorer de toute façon. Je crois qu'il faut surtout avancer. Voilà, il y a des radiations en or. Hein. Se grouiller, ça va. C'est quoi que j'ai entendu? Ça fait peur, ça, par contre. Hein. Des filtres, hein, punaise. C'est pas par là. Non, je suis un squelette. Là, non. Il a dit cet ennemi c'est à manger, c'est pas ça qu'il a dit? Il est en train de dire que je suis à manger? Non mais ça va pas non. Je vais recharger mon truc. Parce que là-bas je vois des... Ah non, c'est une statue. Non, c'est une statue de Lénine. J'ai plus que 24 billes. Wow. C'est la merde, hein. Peut-être prendre ça, non. Putain, c'est moi qui marche dans la neige. Putain, je croyais que c'était le battement d'aile d'un truc gigantesque. Vous trouvez pas? Le battement d'aile d'un dragon. D'un rat volant. Les radiations là. Oh. Help me. Waouh.
Par là, il y a une grosse bête, hein. On peut plutôt aller par là. Ah merde, bien sûr, il n'y a rien par là. On s'en doutait, hein. Il y a des gros pieds, hein. L'abominable homme des neiges. Tom qui touche. J'ai compris, faut que je me grouille. Le médicament qu'il me faut pour Adna. Sur le coup, tu t'attends à tout dans ce jeu, c'est clair. Mmh.
Oh là là.